Ça y est, il commence à faire beau. Et qu'est-ce qu'on va sortir? Qu'est-ce qu'on va sortir? Qu'est-ce qu'on va sortir? Je vous le dis, les petits pieds à l'air. Là, j'ai la nouvelle co de chez Clarossa. Je vous montrerai après à la maison. Mais en tout cas, voilà, t'as le code Julie35 qui va s'appliquer sur toute la boutique en ligne. Clarossa. C'est valable chez la femme et chez l'enfant. Là j'ai mon petit vernis rose, en plus je trouve ça trop mignon. C'est la première fois que je fais du rose au pied, franchement c'est joli. Donc là je vais vous mettre la référence de ces sandales là, comme ça au cas où si c'est elles que vous aimez, vous les aurez. En tout cas c'est trop beau. J'ai une petite chaussure aujourd'hui. Allez, là je vous montre du coup la paire de baskets, petite paire de baskets. Je trouve que ce sont des valeurs sûres. J'adore l'esprit à l'avant comme ça. Petit lacet, j'ai pris du noir et blanc pour aller avec tout. Petite plaque argentée à l'arrière. Bon, vous me connaissez, j'aime bien être à l'aise et confortable la semaine. Donc j'ai trouvé trop joli. Les moins 35%, là tu as toute la nouvelle co qui est sur la boutique en ligne en plus. Si tu souhaites en profiter, n'hésite pas, ce sera valable sur ton panier. Vraiment surtout. Tu as même l'application mobile. Je vous disais, tu as même l'application mobile. Tu peux être au courant vraiment des dernières nouveautés, toutes les actus, dès qu'il y a une paire, etc. Les pointures, c'est rapide. C'est vrai qu'on a un petit peu la génération connectée. Si tu aimes bien les applis, ça peut être l'occasion. Tu peux la télécharger. Restez plus site en ligne, il n'y a pas de problème non plus. Mais voilà, les moins 35%, ils sont valables vraiment sur tout le site. Chaussures femmes, chaussures enfants. Tu peux aller voir les catégories et tu auras les moins 35% avec mon code Julie35. Bon, ça y est, hein. Il est temps d'emmener le bébé chez Range pour le coffre. Bon, pour ceux qui n'avaient pas suivi au lavomatique, mon coffre s'est ouvert et du coup, il a cassé. Est-ce que ça va? Ah, je sais pas. Il faut tout démonter. Mais le mieux, c'est de faire une déclaration. Ah ouais, tout est cassé, les vérins, les charnières, les haillons, le truc de clé à sécurité dans le coffre. Oh, yo, 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 yo. On va appeler l'assurance, là, heureusement que je suis en tout risque. On va les appeler, voir comment ça se passe, après faire venir l'expert, etc. Là, pour l'instant, donc du coup, ils me laissent le véhicule. Ils ont fait en sorte qu'il puisse se fermer le coffre. Mais la peinture, l'extérieur, le haillon extérieur, le haillon complet, tout a pété, tout a cassé. Bon, à votre avis, je vais prendre lequel? Vacherin avec le coulis ou tarte au chocolat? Petits achats de Decathlon. Je vais refaire d'Energy Ball, donc du coup, j'ai acheté une whey protéinée de chocolat chez Decathlon parce que je n'en avais plus. Contente, j'ai reçu mes colis. Franchement, je kiffe trop. Je leur ai redemandé Wild. Je vous en avais parlé un petit moment. Bon, Amazon, les déodorants Wild, mais genre trop bien. J'adore. Bon, là, je suis sur les dates. Je pars sur une petite recette. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'Energy Ball. Après, il y a diverses façons. Hein. Moi, je mets de la poudre d'amande, de la whey protéinée au chocolat, du cacao non sucré, des graines de chia, un petit peu de sirop d'érable. Et ça dépend, je ne vais pas tout le temps, je mets un peu de beurre de cacahuète, juste pour donner le goût. Et enrobage, noix de coco râpée. Donc là, en gros, ça ressemble à ça. Et après, tu n'as plus qu'à faire le mélange. Et du coup, pour ce soir, là, avec du lait en grain, je prépare un genre de, comment on dit, tatsiki, oui, je le prononce mal. Je vais vous montrer après. Donc moi, je mets de la nette, de la menthe, de l'ail, le citron, l'huile d'olive. L'énergie bol de tout à l'heure. Et du yaourt grec. Moi, je prends 0%. Après, chacun adapte. Et avec, il y a des pommes de terre que j'ai faites. Donc là, je les ai faites revenir à l'eau. Après, je vais les couper en lamelles fines. Je vous montrerai. Je les fais revenir légèrement à l'huile d'olive pour qu'elles soient croustillantes. Et du coup, je t'en sers pas de chips, mais dans l'esprit, hop, pour manger le tatsiki. Donc là, je fais les concombres. J'ai mis le fromage grec ciselé, la menthe, la nette. On va rajouter l'ail. Après l'huile d'olive et on mélange. Voilà, du coup, je vais faire les pois chiches au four. C'est les pois chiches. Tac, tac, tac. Attention. Je les mets. Et après, une fois à l'intérieur, je vais mettre de l'huile d'olive, du paprika
et du piment d'Espelette. Je fais revenir, je vais mettre au four au dernier moment. Et là, c'est des pommes de terre que j'ai fait pré-cuire à l'eau, que je vais faire la poêle. Je vous montrerai après pour manger avec le tzatziki. Celle-ci, c'est pour faire avec de l'ail et du persil. Et ensuite, les saumons, je vais faire revenir. Enfin, je vais même pas le faire revenir, je vais les faire au four. Pareil, avec de l'huile d'olive, du paprika, du parmesan et de la chapelure. D'ailleurs, je voulais de la chapelure panko. Pour ceux qui connaissent, je préfère. C'est plus des plus gros morceaux. Mais là, on va faire avec celle-ci. J'aime bien la chapelure panko, mais il n'y en avait pas. Après, c'est simple, une fois que tu as tout mis, tu remues. Et je mettrai au four en même temps que le saumon, sauf que j'y sortirai avant pour pas qu'il soit trop sec. Ça, vaut mieux faire la bonne quantité parce qu'à manger le lendemain, froid, ok, mais si tu le refais chauffer, c'est trop sec. Donc là, j'ai fait la petite marinade. Donc j'ai mis du citron, de l'huile d'olive, de l'ail, du paprika. En gros, je vais venir recouvrir les saumons. Hop, je vais en faire un, comme ça je vous montre. Je vais aller recouvrir. Donc du coup, sur ton saumon, on vient mettre du parmesan. Tac, 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 tac. Un petit peu de parmesan de partout, de toute façon, je vais en mettre sur tous. Et après, par-dessus, on viendra mettre de la chapelure, comme ça, ça va faire une petite croûte un petit peu dessus. Tu sais, je cuisine, je n'ai pas à côté. Je regarde pas ce que je fais. Voilà. Tout sera cuit, je vous montrerai le résultat final. Je suis dégoûtée, j'aime pas la chapelure comme ça. Enfin, j'aime pas. Ça va, mais c'est trop différent de la panko. Petite chapelure. On va mettre 2-3 tomates cerises à côté. Après, tu peux mettre de l'ail en chemise. Ilalilaloulaloulalou. Et hop, au four avec les pois chiches. Ça sent trop bon. Allez, on va faire les pommes de terre. En attendant, il est où mon persil? Tchika tchika, tchika tchika. Il est là. Donc là, je prépare les petites pommes de terre à manger avec l'entrée, concombre, fromage grec. Et là, plutôt après, avec le plat principal, persil, ail. Et voilà, donc du coup, c'était pour arriver à ce résultat-là, des petites pommes de terre. Tu peux manger les concombres avec ou en sorte esprit chips. Mais c'est trop, trop bon. Donc ça, ça va être l'entrée de ce soir. Donc du coup, le saumon que je vous montrais tout à l'heure, une fois cuit, ça donne ça. Franchement, au niveau du goût, c'est bon. Là, avec, il y a les petites pommes de terre. Mr. Meth, you know how we go. Chacabo. Nuts, Mr. Meth, you know how we go. Chacabo.